Ok, main event, IRL3, juste avant, je vais en profiter pour dire bon rétablissement à K5 qui a le Covid, frérot. Bravo. Allez. Et force à la joie aussi qui est venu malgré ses 500. Voilà. On va faire le battle prochainement, on en dira plus sur nos réseaux. Bon, on va pas plus parler. Main event, Wolf contre Bénéfique. Let's go. Vous êtes chaud? Ouais. Let's go. Ok, yo. Yo. Avant de commencer, je voudrais chauffer la voix, mais je vais pas vous troller, rien à voir. Ce qui va suivre, je devais le casse des dents à la joie. Ouais. IRL, c'est un semblant de pixel war. Je suis fier d'avoir rejoint la partie. Les chars, des chars défendent ma patrie. Ravi qu'on m'ait laissé place libre. Maintenant, un général de guerre obèse va vous mener vers la gloire. Espoir, let's go. Ok, espoir. Okay. Deux généraux du même camp qui se fight. Donc tu perds ton grade et tu prends ta pire défaite parce que t'as pas pisté le piège. Tu crois que Neya, c'est ton gars pour la life depuis qu'il t'a pris les fesses? Ouais, mais t'oublies que Neya, il m'a uniquement contre les gars qui me détestent. Donc une fois ça dit, faut que je calcite cette merde. T'es une voiture du bled, frère. On te fait tousser car quand tu te lances t'es timide. T'as pas les frères pour la qualité de l'air. Ça sent que t'es nuisible et derrière tes verres, manque d'assurance est visible. Tu tiens pas les contacts. Y'a qu'à voir sur comment tu chiales sur les forums quand on tacle. Tu tiens pas les contacts, y'a qu'à voir comment tu chiales sur les forums quand on tacle. Faudrait que tu tiennes ta langue, tu fais que nous parler de talent. Regardez mes placements, les gars, on vous éclate quand on fâche. Sale gland, quand t'es confiant sur ce que t'avances, t'es pas obligé de défendre en permanence ton tas. Du 4 parmi les débiles, t'es vraiment trop chaud. Je vous explique. Wolf en a marre que les gens le traitent de geek sur les réseaux sociaux. Donc pour prouver que c'est pas un geek et que c'est un G, bah il traite les gens de geek sur les réseaux sociaux. Ça n'a aucun sens. Ta connerie est trop intense. L'échelle mondiale, t'es top 50. Et si ce bâtard existait pas, je me serais dit faut que je l'invente. Petite bitch, condam, si tu faisais le daron, mais t'es qu'une victime. Faudrait que tu précises cet effort, je crois. Pourquoi faire le mec street, prendre les gens pour tes petits quand tes fils crient plus fort que toi? Parce que moi aussi, je suis plus fort que toi. Donc faire le daron face à moi, ce serait pas légitime. En même temps, connard t'es skin, je faisais le même point en kilo à Medji Pich. Juste avec un watt, même Rewan pourrait t'endommager easy. T'as un beau passé d'estime, ton corps a l'air en déficit. Je suis plus alcoolo que toi, véridique. Donc si tu bois avec Bibi, tu dépasses pas l'apéritif. Toi, gardien des 4, sale merde, tu fais pas le poids. Je suis comme un chêne centenaire, t'as une dégaine de carquois. Soit tu joues les Rocky, mais même avec ton fer, impossible, tu bats le poids, quoi. Ouais, même si je reach un peu trop, j'ose. Soit j'éclate ce bolos, j'écrase bien ses têtes, laisse le gardien défait comme l'arbre mojo. Et là, je sors un gros calibre. Donc si on doit se drive by, fais le bien, même si on est dans une drôle d'affiche. Sinon moi je vais venir et tirer ce rein comme un Moldavie. Si tu check, tu finis mort à vie trop facile. Ça c'est les facs pédales. J'arrive avec l'âme d'un cœur bras, faut que tu vois tes théories. Balle dans la boîte. Après ce battle, tu taperas des barres à l'aveugle, ça c'est démocrite. Soit le prince des guns va prendre la droite comme si ce bâtard plaisait qu'au flic. Soit le prince des guns va prendre la droite comme si ce bâtard plaisait qu'au flic. Soit je vais venir et tirer tes bases comme des matraques télescopiques. Allez, ok, yo. Ah, Béné, il a l'air déterminé. Il parle des forums, ce qu'il oublie de préciser, c'est que souvent, je le défends quand il se fait terminer. T'as aussi dit que j'avais... J'ai pas compris, mais t'as dit que j'avais une dégaine de carquois. Mes frères, casse-toi, toi t'as une dégaine de car. Quoi? Fils de pute. Je te die, bitch. Je te dis bonjour à coup de pompe. Ça c'est un high kick. Okay. IRL,
Paris 13, je suis clairement chez WAM ici, je fais l'homicide et sans trop de peine, je peux exploser ce gros sac à domicile, comme Django Fett. Ici, je suis le perso principal des maquettes annexes. Sous-titres, montage, promo, salle pour la ligue, j'arrête pas de faire, donc ici, l'autre c'est moi, Gad Elmaleh. Lui, aucune galère, al dente. Alors d'accord, ça quand il parle formé, niveau technique, t'amènes quoi de neuf? J'ai bien plus de style quand je parle de gun avec les barres, je suis une machine, je fais de la magie avec les armes. Je fais pas que punch. Ok. J'ai des skills que tu rêves d'avoir, jamais dans le texte à foire, mais il me reste une faiblesse, comme dans le Mandalorian, c'est la voix. Donc on t'a choisi comme mon adversaire à moi pour ma progression, pour me pousser à pousser sur la projection, donc tu devrais savoir que t'es pas un obstacle, mais un faire valoir. Pour cette différence de présence, j'ai la solution de toute façon. Les opposés s'attirent, donc contre ce mec qui pousse à fond de manière abusive, là je le tire sur la corde comme pour un coup de canon. Je vous demande à tous pardon. Presta bâclé, indigne de ce que je peux ramener dans le fond. J'ai tiré sur la corde, montré pas mal de prétentions, mais là je vais le descendre en flèche, c'est mon arc de rédemption. Moi cette fois-ci je vais faire mieux, je le dis, c'est sérieux, à IRL2, j'avais des rounds sans patates, mais t'emballe pas parce que je le dis cette fois, je vais ramener plus de punch pour l'édition 3, frère. Et donc c'était maintenant. C'est maintenant que le drame arrive. Tu crois que t'es barbe basique, salam, il t'est grave naïf. Dès que je débarque, je ne pas ta vie. Tu finis comme Benzema à Madrid, marqué à chaque partie. En introspection, je vous vois venir dire qu'il faut que limite pour avoir une projection. Mais objection, parce que moi, ce que je vois avant quoi que ce soit, c'est que t'as jamais sonné aussi nice. Donc au final, je rappe comme toi, mieux que toi. Toi aussi en imitation, t'es peut-être champion, mais moi je suis tellement bon pour t'imiter toi, tu peux pas m'imiter moi en train de t'imiter toi, sans t'imiter toi. Ok. Là mon talent t'éclipse, je peux faire la voix de tout le monde, personne ne peut faire ma voix vu qu'il est pas là, vu qu'on entend, on va pas le voir, je peux rapper comme la joie vu qu'il t'a plié tranquille, faut que je parle de ton physique. Alors, je crois que t'as pris du poids, mais je crois que t'as oublié de grandir. Ok. Puis contre Wisdom. Contre Wisdom, si ça tombe, tu vas perdre ça, c'est Jenka, moi même pas. Je peine ici, mais c'est Pellegrini. Je classe dans le ciel plat de l'Expedivi, tu es responsable de West Ham, t'as Pellegrini. Je fais des victimes. Puis au fait, t'aimes pas les Reds? Bah faudra qu'on t'anesthésie avec de très forts médoxy, je me transforme en médoxy. J'ai des. T'as le truc à faire avec Mathieu Duhamel, ton cas. Bref, il ne s'agit que d'imitation. Mais là j'ai la barre, donc tu sais que je tape ton cul sec comme un whisky glaçon, je te baisse comme 18 garçons. 5 tailles de Valentine, t'es bourré au bistrot. Pour sa sécurité, jamais sa gourde est remplie d'eau. C'est pour ça que tu te touches le clito au calme avec ton jouet de gizmo. Normal. Bon, on rigole. Véné, faut que t'arrêtes d'être tendu, tout le monde te l'a dit. T'as pas les pêches de Saminet, même si en contrepartie, t'as la voix qui. Vas-y, compte, c'est pratique pour avoir des réactions de calibre. Et moi, je pense que tu cries si fort parce que t'as trop la rage contre la vie. Tu m'en rigoles pas, c'est pareil pour toi. Béné, je l'enterre, c'est facile, c'est élémentaire. Toi, tu veux m'imiter? Vas-y, essaie donc de faire un truc qui surpasse tous tes précédents textes. Sur les forums, quoi que tu dises, ce sera wax à l'tache. T'as l'air d'une meuf qui sort avec, avec un mec de cité qui fait la meuf toute excitée pour gérer le fight à sa place. Je m'en bats les couilles de ton aide. Bon, maintenant on va te faire redescendre sur terre vu comme tu flattes et admires ton ego. Mais il te manque pas mal de shit pour faire partie des boss sur le delivery, tu déconnes. Quand tu speed tes lignes, tu peux faire roupiller les gosses. Ok, tu fais nos sous-titres. Mais tu devrais me payer pour souligner tes fautes. Faudrait que tu fournisses cet effort. De toute façon, tu le fais déjà toi-même, j'aurais pas besoin de bousiller tes strophes. Donc si j'arrive outillé, je vais te shot, mais fuck. J'avoue que j'avais bien le mort.
Quand De Taf m'a dit que t'étais néant moins fort, mais maintenant je lui accorde et je peux même acquiescer. Trop de paroles, des chuilles go, tout ça pour des flips de merde, des jokes pas drôles, des défaites 3-0 qu'on pâtissier. Je vais pas plus t'afficher. Mais contre Louvard, t'as mis de côté les barres pour faire comique, j'y trouvais rien de trop rassurant. Mais tu me disais que c'était god shit, trop chill. Tu t'égosilles des jours durant. À la fin, tu lui dis que tu peux faire des jokes comme lui. Bah, je te félicite, c'était la meilleure joke du round. Donc là, faut que je t'arrête vite. Déjà, tu fais pas des flips, juste tu bégayes tes lines que t'as déjà écrites. Pas des flips, juste tu bégayes tes lines que t'as déjà écrites. Crois pas que cette vision je l'apprécie. Tu fais le rappeur mais je mets ta gueule comme définition de Wack MC, t'es pas crédible. Et à chaque fois que t'arrives avec des faces que l'éthique, dire que tu manques de temps pour tes prépas, ce serait peu éthique. Cette année j'ai battle deux fois plus que toi. Donc pourquoi j'accepterais ça venant du plus grand chômeur de l'équipe. Si je le décide, IRL3 c'est ma chronique, représentant de South Park comme le régime macronique. Tu tiens plus debout si tu fumes sur la chronique, ça. Tu loues comme un spliff pur d'aconite. Je mène une vie de rustre, d'alcoolique, tease russe, magnum 6, une fissure, je l'atomise. Je mise sur mes couilles sur ma folie, mise sur. Écoute, les têtes sont toutes bleues, mais les douilles pleuvent. Je peux te finir sur un Marlow shit. Oh, for my people. Kenard ce mec surcoté comme Omar Little. Laisse ce petit cuck à l'agonie. Deuxième round. Mais c'est pas là que le drame frappe. T'es move dégueu, ton manque de sérieux. T'essaies de te dire que c'est pas grave. Prochain round je vais te gifler. Après je te laisserai méditer, petite mère. Tu pourras me dire si tu la mérites et ta claque. Apparemment, Béné vient du Nord. Apparemment, il en est vraiment fier. Mais quand il a découvert les battles, c'était en fait qu'il a cru qu'on parlait d'alcool quand on lui a dit « il y a un événement de verre ». C'est alcoolique. Toi, t'alimenter dès le matin en eau, c'est rare comme un magnan manchot qui gère gravier en snow. Quand tu vois, c'est rien en gros, pas besoin d'indice, tu captes, c'est indiscutable. Ça vient d'en haut. Tu sais que ça vient de Lens, Lille, Roubaix ou Tourcoing. Zéro optimisme et pourtant, avec lui, le verre est toujours plein. Chaque jour, t'es tout le temps d'ail, tu prends une bouteille de barbe en cours, puis là t'es chaud dans le temps qui pourtant caille, puis t'as les yeux qui partent en couille. T'enchaînes tranquille, 30 litres d'absent-Étienne à la maison, tanky, des verres dans le chaudron comme à Saint-Étienne. Ça m'étonnerait que ça soit Saint-Étienne. Let's go. Ok. Je suis désolé, mais sur ça, je dois me le faire. Moi, à chaque fois que je shoot deux balles, toi, tu bois deux verres. Normal. T'as sûrement deux pour battle, ça je le sais. Bon, pour ma part, de même, quelques bières, toi, je sais pas combien. Moi, deux, mais je fais ce qui me plaît. La dernière fois t'étais déchiré, il était 12h, t'es seuf et t'es sale. Béné pour boire il a besoin de personne, il s'est fait tout seul. Je pense pas qu'elle apprécie ta vessie, ce serait un euphémisme de dire que tu bois vite, en vitesse t'es à plus de 3 litres, comme un V6. Mais des fois c'est pire, t'es plus que paré, tu te lâches et bois des trucs de taré, jusqu'à être HS, t'as plus de 4G. Je l'ai déjà dit, mais en barre sur barre, ce que je fais c'est magique. Et c'est par ce distill que je fais la div quelque chose, nous. Je mélange des textes plutôt techniques avec de la comédie. Calme-toi le colérique, pour me battre faut que tu te lèves plutôt et baisse ton taux, t'as l'alcoolémie. Pour moi t'es qu'un sale garçon qui boit à fond, verre chargé, pas de glaçon, t'as pire qu'un bid à bière, c'est bien trop. On voit tes synchros quand tu fais de la natation. T'essaies de nous faire croire que t'es pas gros, mais stock. Mais gros, t'es pas stock. Mais gros! Frérot, arrête! Fais pas le mec, t'es balèze! Viteuf, t'enchaînes sans cesse, tu termines des plats nets! Freezer! Quand t'essaies de tourner ta tête, ça fait bouger des bourrelets avec! On sent blague! Si je tente un drop kick, je me sens comme si je soulevais la presse, comme un scandale!
Je mens pas, tes artères et tes veines, c'est des galeries remplies de stalactites. T'as des vaisseaux plus spacieux que ce glampire galactique. Même si t'as un gros cul, t'es pas une beauté de derrière, je vais te botter derrière. Je te mets le huc à l'air, je prends un truc à l'air, d'une à air, puis je le bute avec. Tu t'affaisses si je... Tu t'affaisses. Quand tu te lèves, c'est direct, tu bois de la bière. Beaucoup, son petit déj, c'est un barbecue, puis t'as de la barbe au cul. Mal au truc, je te fais mal au trou. Viens pas faire le flou avec ta tête de genou. Ton sgeg ressemble à la main droite de Jamel Debbouze. Il est jamais debout. Oh, excuse-moi, t'aimes pas les raids? D'accord, pas de problème. J'arrête, vu que ça lui fout les boules comme un spam de Hadoken. Il a du mal à le supporter, c'est raid sur son corps, ça c'est le Kaioken. Oh, okay. De toute façon, après deux rounds, mon score est à plus 2 points, comme un panier ou le gars qui est maillot vert. Bon, jusque-là, on s'est marré, c'était cool. Maintenant, je vais te narrer pourquoi tu me pètes les couilles. L'animal parle de défendre le battle rap, faire des barrages avec des gun bars. Ok, d'accord, Cimer Castor, mais si ton... Ok, d'accord, Cimer Castor, mais si ton projet, c'est de défendre le battle rap, tu voudrais pas t'y mettre d'abord? Non, sérieux, mon gars, ça sert à rien d'aboyer. Tu contribues à la sale image du 4 pour derrière salivrer des prestats moyennes. Donc faire le mec sûr de soi, à quoi ça sert? Quand tu te foires, t'es même pas capable de faire face à toi-même. C'est pour ça que socialement, t'attends des espèces. Genre 30 Pokémon. Globalement, ton talent désespère. Y'a trop de chocs dans tes strophes. Fatalement, t'attends des éclairs. Le dos dans les cordes, mon nos respect. Tu vas prendre un crochet sec. Normalement, t'apprends tes échecs. Sauf quand t'es Wolf. Ok. Crossover, lol. Rime Lesnar et je finis ça au mid. Quand tu fais partie de nos trois gouttes et que tu viens perdre ton crapaud, ça prouve que tu respectes pas notre ligue. Oh, 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 il est en train. T'en fais v'là trop. Tu joues les Gandalf mais grand draft, t'as la mentale de Vraco. Et entre nous, y'a pas de synchro, je te le dis. T'as un delivery que tout le monde déteste. Mais tu penses toujours gagner sur le texte, t'as les symptômes de Zine. Tu fais un pas trop, je te kill. Sors automatique et c'est là que je te bâche. Mais assez parlé de toi. Là, je vais faire un truc genre Sorbonne, Automate Skills, banquier juif, Ashkenaz, Barça, MSN, sacré twist. Après, j'agresse Wiz, j'abats la sagesse car j'ai la bite d'Athéna. Bon là, okay. Bon là, c'est des rimes. Mais ça m'explique pas que t'es wack. Grand, ta présence, ça me nuise. T'es le bouclier des faibles. Tu fais le gangster, lancer ta Wu-Tang, le genre d'ouvrier que je déteste. Pour lui, dans ce game, prendre de la bouteille. Bah ça veut dire oublier ses têtes. Je m'en vais bousiller cette merde. Toi tu mises tout sur tes flingues. Moi je mise tout sur mes points. Je risque ma vie pour des singes. Ça c'est d'où dur et dingue. T'as Eastwood, Far Westwood. J'amène la boule au ventre. J'amène à l'eau au ranch. Il faut tonnes de renforts. Car j'ai trop de peurs sans stock. Je la ligne grave. Le 4 fait Max Killman. Comme si je vois Volmeron. Mais on m'a dit faut que je tranche Wolf. Mais là gros je te mens, j'arrête les flagornements. Je te valide, t'es ultra chaud, je le pense. Donc sale fils de pute, faut que tu captes vite le truc. Être un homme c'est tenir ses promesses. Les tiennes c'est faire des prouesses. Faudrait que tu t'actives le gus. Tu dois faire briller cette merde. Tu dois pas salir le juif. Fallait que je souligne ce truc. Respecte notre IRL. Si tu veux prouver à la terre entière qu'on n'est pas qu'une sous-ligue de plus. Let's go, le what now? Go! Réponse! Ok, allez, quoi qu'il en soit, je peux le plier très vite. Bouteille, oh. Bouteille. C'est joli, j'avais oublié que t'existes! Let's go! Let's go! Let's go! Waouh! Ça, c'est pas bon! Bon, dans ce round, pas de joke sur le physique, j'en ferai pas plus! De toute façon, toi, t'aimes pas rire, tu viens de l'enfer, sale gus. Faut que tu sois plus pisse, que tu t'empères, t'abuses. Sa blague préférée, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar, il se fait niquer sa grand-mère la pute. Elle est bien. Non, lui, il est pas là pour rigoler. Il arrive hardcore direct avec plus de beuglante que la daronne Weasley. Mais tu sais qui aimait crier aussi?
Adolf Hitler. C'est un nazi. Ici, on est en France, monsieur. On a fait la guerre aux Allemands, dans les Ardennes, notamment. Juste méchant. Les gens, tu les harcèles moralement comme tu les harcèles oralement. Ok. Ok. T'es toujours cinglant, pas net, t'es pas bien, non. T'es toujours cinglant, arrête, t'es pas bien, non, pas net. T'es numéro 1 dans la haine comme Vincent Cassel. Ouais, oui, oui, je le connais, cet enfant. De bonté, il est peu noté, franchement. C'est Dieu donné en blanc. Avec les meufs, toi, t'es pas le genre de mec trop posé. Sans consentement, t'envoies ton membre et des sexes osés aux membres du sexe opposé. Let's go. Tu mérites que je te bodybag, vu qu'un gentleman jamais ça tente de l'être. Les filles, tu leur manques de respect, tu kiffes tant le faire. Tu les appelles femmes, comme en Angleterre. Pour moi, manier la rime, le verbe, c'est facile de le faire. Pendant que tu tastiques le sgeg sur Marine Le Pen, moi je tire des canons comme une machine de guerre. Là, quand je rentre en contact avec ce MC, je me sens comme Gaudier, pas tant mort. Je promets que je vais encore cogner ton corps. Fini parfumé, aucun scrupule as-tu vu que t'es à l'origine du mal comme Jean-Paul Gaultier. Marque tout part sur le corps qu'un tatouage de Yakuza. Je suis face à un démon, un Akuma. Mais croyez pas que face à ça je plonge, vu que le pas la lampe fait que la lame avance avec Akusa, c'est Zabuza. Pas de bluff là, tu sais que j'ai stack de charcuté. Des lames, j'en ai une qui est d'une largeur abusée. Je vais planter plus que tous tes match-up annulés. Ou bien on verra le gun t'allumer. Ou bien on verra le gun t'allumer quand je vais braquer le calibre sur toi. Gun so big, il est plus long que mes pavés sur l'appli du roi. Et ici tous Paris, qu'il est plus long que le M14, il fait tout Paris. Du coup c'était quoi? Attends, bois de l'eau, bois. Là tu cavales et désespères. Là tu cavales et désespères. Une rafale peut laisser ce mec impossible à identifier. Quand je l'attaque comme un sale hack assez vénère, il pleut des douilles. Ça cause déformations multiples comme les arnaques au CPF. Donc après ce battle, raccroche direct, comme avec les arnaques au CPF. En tout cas, sache que ma précision létale fait totalement la diff. Je te laisse une grosse plaie, salement ça pique, ce gros saigne, par terre fait. Moral, tu peux die d'une balle dans la cuisse. Et si ça suffit pas, de lacérer avec des gros katanas, de ramener des battes et des côtes, la calache, je le termine pour de bon, avec un va des rétro, Satanas. Non, en vrai, frérot, à la base, je voulais pas des fourraillés, parce qu'on l'aime bien même s'il est méchant, Béné. Personne pourra nier, c'est notre taré à nous, notre fou allié. Il a fait face à une future légende, donc le gros t'agonise. Je peux pas perdre face à ce méchant, je suis le protagoniste. Merci à ceux qui sont venus en live. Vous kiffez ou quoi? On se revoit bientôt pour IRL 4, let's go! Let's go!